Si, je suis là. Qu'est-ce que tu as fait pour être aussi fatigué, gros feignant? Fais ici. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu ne devais pas aller à la réception de l'ambassade? Pourquoi tu ne dis rien? Si c'est une plaisanterie, je ne la trouve vraiment pas drôle. Qu'est-ce que tu fais? Toute conclusion à ce point de l'enquête serait prématurée. Prématurée, mon œil, oui. Ça suffit, Cody. Nous ferons une déclaration officielle plus tard, madame. Merci. Toujours pas d'éclaircissement sur le lien possible entre les meurtres des trois mannequins. Et rien non plus qui conduise à identifier l'assassin. Ici Sandy Davis qui vous parle de Manhattan. Je vous avertis que c'est la dernière fois que vous informez la presse dans ma juridiction. Tout ceci ne serait pas arrivé si vous aviez pris Duquesne. Il était à une réception de l'ambassade de son pays, devant 45 diplomates quand le meurtre a eu lieu. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas malin. J'ai dit que c'était un déséquilibré. Il a tué ma petite fille au Texas. Il y a quelques semaines, il a tué ce mannequin à Chicago. Et hier soir, il a assassiné Karen Barton. Capitaine, si vous me donniez seulement un peu plus de temps, je démolirais son alibi. C'est trop tard pour ça. Je ne vois pas pourquoi. Duquesne a pris un avion pour aller à Sorrente en Italie, ce matin. Et vous l'avez laissé partir? Alors l'insigne que vous portez, à quoi vous sert-il? Il n'est pas d'un grand poids face à son immunité diplomatique. Cela revient à admettre sa culpabilité. Nous le voyons ainsi tous les deux, mais pour eux, c'est un paravent qu'ils utilisent afin de se protéger des harcèlements politiques dans un pays étranger au leur. Je vais vous dire une chose, capitaine. Si la police commence à protéger des fous meurtriers de cette façon, je n'ai plus aucune raison de porter ceci. Rendez-moi service, renvoyez-le à Fort Worth, il m'est inutile. Cody, vous ne seriez pas devenu cinglé? Cinglé? Moi? Mais, capitaine, je suis aussi sain que Duquesne. Vous ne vous rappelez pas? Le gars qui a pris l'avion pour aller en Italie. C'est le plus beau que j'ai. C'est un travail admirable. Et c'est pourquoi j'en demande un prix assez élevé. C'est parce que ce que j'ai à vous dire est confidentiel que je vous ai amené ici. Danielle, une jeune femme que vous connaissiez a été tuée. Karen Barton. Oh non! En plus de Karen, il y a eu deux autres mannequins qui ont été assassinés dans une période de 6 mois. Diane Cody et Martha Harriot. Henri, j'ignorais absolument tout de ces meurtres. Voici le père de Diane Cody. Il est l'adjoint du shérif à Fort Worth. Il a suivi jusqu'ici un diplomate qui s'appelle Eric Duquesne. Cody croit que c'est Duquesne qui a tué sa fille et nous croyons que Cody veut tuer Duquesne. Et vous allez l'en empêcher. Que voulez-vous que nous fassions? L'inspecteur Cody a pris un avion pour l'Italie où il a disparu de la circulation. Mais nous savons où est celui qu'il cherche. Eric Duquesne fait une carrière de diplomate et il a loué un appartement au dernier étage de cet hôtel. Et vous pensez que sa présence ici va attirer Cody? Vous allez monter un magnifique défilé avec vos mannequins si séduisants. Et je vous garantis que Duquesne va faire surface. Et que Cody ne sera pas bien loin. Génial. C'est incroyable. Nous serons aux trousses d'un brave flic qui pleure sa fille pour protéger un fou homicide. Oui. C'est une tâche ignoble. On laisse tomber leurs histoires et on rentre chez nous. Et moi, je dis que nous ferons ce qu'Henri demande et plus. Ce qui veut dire que tu désobéiras à Henri et que tu t'attaqueras au tueur. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Non. J'adore ton audace. Tu sais, j'ai passé assez de temps en tôle avec des gens qui pensaient comme toi. Autre chose, tu ne crois pas que c'est malhonnête de demander à ces filles de servir d'appât à un désaxé sans leur donner le moindre avertissement? Mac, tu sais que je protégerai mes filles, je trouverai un moyen. Mac, de toi, j'accepterai ce que tu voudras. Oui, mais une promesse est une promesse. J'ai jamais rien compris à ce truc. Et Danny, notre Casanova, est arrivé. Les filles, vous n'allez pas me croire, mais je viens de voir le plus séduisant des hommes. Et en plus, il est ambassadeur. C'est vrai. Voici l'appât. Où est le chasseur? Maintenant. Il me faut un autre film. C'est déjà fait. Oh, très bien. Merci. Où est Mac? M'en veuillez pas si Mac m'a faussé compagnie. Je suis pas un babysitter, Danny. J'ai beaucoup de travail. Sa mort? Pas encore, mais je suis patient. Et cette petite boîte que vous avez là, je peux y jeter un coup d'œil? Oh, ça, c'est un matériel de pêche secret. Vous ne me paraissez pas avoir beaucoup d'expérience. Je n'y connais pas grand-chose, c'est vrai. Je suis né dans une ferme. C'est curieux, on ne le dirait pas, vous voir. Oui. Non, je suis mannequin, on fait une séance de photos. Ce qui me rappelle qu'il vaut mieux que j'y retourne. Bonne chance. On ne dit jamais bonne chance à un pêcheur. Vous ne le saviez pas? Pouvez-vous me donner une seule raison pour que je ne vous fasse pas sauter la cervelle? Peut-être que si vous baissez votre arme, je pourrais vous le dire. Dites-moi pourquoi vous m'avez suivi. À cause de votre boîte. Et quel rapport? Vous aviez du matériel de rivière. Et si ce n'était pas la pêche, quelle était la raison de votre présence là-bas? Pas mal trouvé. Alors dites-moi en plus. J'assure la protection des filles. La protection contre qui? Trois mannequins sont morts assassinés aux États-Unis. Cette demoiselle était un peu nerveuse, alors j'ai été engagé comme garde du corps de ces dames. Et vous aviez des soupçons sur moi? Dès que je vous ai vu utiliser des lignes destinées aux truites de la mer Méditerranée. Ça m'a paru curieux. Alors, à moins que vous ne soyez le meurtrier, j'aimerais assez que vous baissiez ce revolver. Eh bien, vous avez en partie raison. Je suis venu ici à cause des mannequins. C'est ma fille. Elle a été tuée aux États-Unis et je sais qui est le meurtrier. Il s'appelle Duquesne et je suis ici pour qu'il ne continue pas. Pour le tuer, oui. Mauvaise idée pour un bon flic. Non, non, Je ne veux pas le tuer. Je veux le prendre et le mettre en tôle pour toujours. Quand la police a laissé tomber, dès qu'il a eu un vague alibi, j'ai continué à le chercher. Et je sais comment il a tué Karen Barton. Comment? Au cours d'une réception, on projetait une sorte de documentaire. La séance avait lieu dans une pièce qui était plongée dans l'obscurité. Duquesne en faisait soi-disant le commentaire au micro. Mais j'ai eu ce film en main. Et je sais que ce commentaire était déjà enregistré sur la bande sonore, ce qui donnait à Duquesne 1 heure pour quitter la pièce, aller chez Karen, la tuer et revenir tranquillement. J'ai chronométré le temps qu'il fallait. Est-ce que vous avez expliqué ça à la police? Oui, je leur ai expliqué évidemment, mais étant flic de campagne, ils ne m'ont pas pris au sérieux et ils n'ont pas donné suite. Regardez. C'est Duquesne. C'est pas difficile de deviner ce qu'il a l'intention de faire. Je sais aussi bien que lui ce qu'il mijote. Vous devez protéger vos mannequins, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas unir nos forces? Vous êtes d'accord? Nous serons au jardin de la ville très tôt le matin. Non mais est-ce que tu es cinglé? Cet homme a fait 10 000 kilomètres pour venir tuer Duquesne. Non, voyons, Danny, tu ne vas pas croire ça. Pourquoi ne l'aurait-il pas descendu dès le premier jour où il est arrivé? Peut-être qu'il n'avait pas encore trouvé d'armes. Eh bien, peut-être, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il a essayé de coincer légalement Duquesne à New York et que personne n'a voulu l'écouter. Au moins, aujourd'hui, il sait qu'il n'est plus tout seul. Comment as-tu osé te mêler d'une histoire pareille sans d'abord m'en parler? Mais c'est sous ma responsabilité. Sous notre responsabilité. 60 crânes, j'y arriverai. S'il te plaît. Avec 45 degrés à l'ombre et vêtu de lainage, c'est difficile de sourire. C'est le prix de ton charme. Souris. Souris. C'est bien, les filles. Oh, Ricky, va chercher l'appareil. Pause de 5 minutes. Merci. Oh, il fait chaud. J'ai repéré le type. Oui, moi aussi. Je vais aller lui parler, mais je crois que pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Je n'en suis pas si sûre. Henri a appelé, il a dit que Duquesne allait passer à l'action. Tu n'as rien dit à Henri, j'espère. Il le fallait. Mais c'est tant mieux parce qu'il risque de dire des bêtises. Bon, j'en ai pour 1 minute. Ne fais rien sans moi, hein. Cody, je voulais vous dire que notre idée de collaboration n'était sans doute pas géniale, mais si vous... Calme. On a passé un accord, et je le respecterai. Regardez ce donjon. Et toutes ces filles. Je les perds pas de vue. Est-ce que ça va? Elle est en pleine forme. Bon, alors restez là. À nous deux, on arrivera bien à neutraliser ce malade. Dites à nous deux? Oui. Je croyais que nous avions passé un accord. Ne vous énervez pas, je vais arranger ça. Désolé, Mac, je vous aime bien. Vous êtes très gentil, mais ça ne tient plus cet accord. Un homme doit faire ce qu'il a à faire. L'obturateur est bloqué, tu veux regarder? Je m'en occupe. Merci. Danny, je voudrais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. Voici Eric Duquesne. Oh, veuillez nous excuser, nous avons encore beaucoup de travail. Billy, au revoir. n'auriez pas dû les amener. C'est un risque pour notre couverture. Et vous en avez pris encore un bien plus grand pour Cody. Il va falloir me faire confiance, Danielle. Je sais que je suis dans le vrai. Je l'espère. Soyez prudente. Attention, tout le monde à terre! Ah! Rattrapez-le. Je maintiens que nous avons fait ce qu'il fallait. Un Américain qui court les rues avec un revolver est un fanatique. C'est la plus épouvantable image que l'on puisse donner des États-Unis. Image? Henry, vous me surprenez. Vous croyez vraiment que de traquer un père éploré au lieu d'un psychopathe assassin est le genre d'image que vous voulez donner de notre justice? Nous aurons Duquesne. Non, pas question. Si, nous l'aurons. Ce n'est pas notre mission. Maintenant, ça l'est. Après ce que vous avez fait, je reprends ma parole. Daniel, je vous en prie, essayez de le ramener à la raison. Je suis d'accord avec lui. Oh, ça ne fait rien. Après tout, nous avons probablement détruit ce qui nous servait de couverture. Nous ne pouvons pas commencer à expliquer pourquoi la police est arrivée avant la fusillade. Quant à M. Duquesne, il est allé probablement se mettre sous la protection de son ambassade. J'y vais. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh non, pas du tout. Vous vous rappelez sans doute mon ami Henry Towler. Ah, le monsieur qui est arrivé avec la police un peu avant les coups de feu. Oui, c'était une belle pagaille. Je pense qu'une explication est nécessaire. Voyez-vous, ma soi-disant image a des inconvénients qui m'amènent parfois à être menacée par des fous. Mais cette fois, ça n'était pas un fou. Je ne peux que vous féliciter d'être intervenu aussi vite. Vous avez probablement empêché que l'un d'entre nous soit tué. Recevez-vous aussi des menaces, monsieur Duquesne? Je suis diplomate. Nous aussi, nous payons le prix de notre célébrité. Je donne une réception ce soir pour fêter mon départ de cet hôtel et l'inauguration de ma nouvelle villa. Je vous en prie, venez tous les trois, cela me ferait plaisir, ainsi que vos mannequins, bien sûr. Ah, mais vous ne m'avez pas dit que vous aviez l'intention d'emballer tout votre matériel et de vous en aller ce soir? Non. Nous irons avec grand plaisir. Merveilleux. Venez vers 8 h, ma villa est sur le boulevard Da Vinci. Da Vinci. Et merci. Merci encore. Je vous en prie. Non, je me contenterai de regarder la réception, rien de plus. Vous n'irez pas. Non, non et non. Vous n'êtes plus dans le coup. Enfin, vous connaissez un meilleur moyen pour attraper Cody? Une réception privée chez Duquesne dans sa villa? Il faudrait tout de même savoir ce que vous voulez, mon cher Henry. De toute façon, vous êtes invité. Surtout pas de vous. Et voilà, je dois surveiller les gamines pendant que je danse. Bonsoir. Bonsoir, Henri. Magnifique, ravissant. Bonsoir, Mac. Salut, Henri, ça va? Ah, champagne. Merci. Henri, avez-vous vu notre hôte? Non, et cela me rend plutôt nerveux. Il n'y a pas de raison, Henri. Tant que les filles sont avec nous, il n'y a rien à craindre. Où êtes-vous entré? Est-ce que vous vous amusez? Oui, c'est une très belle réception. Je suis fasciné par la plupart des gens. J'adore entrer dans leur esprit. Dissection intellectuelle. Est-ce particulièrement vrai pour les mannequins? On les accuse toujours d'avoir la tête pleine de vide. Oh, mais voyons ma chère, vous devriez être la dernière à dire ça. Vous qui prenez une femme très banale et qui la transformez en une irrésistible séductrice. Je suppose qu'on peut voir les choses de cette façon. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre la séduction. C'est un petit jeu qui se passe entre deux personnes consentantes. Le chat et la souris, ou bien, en plus dangereux, la flamme et le papillon. Êtes-vous la flamme, monsieur Duquesne? Ou le papillon? Excusez-moi. Si seulement tu étais aussi riche que lui. Que qui? Eric, notre hôte. Gretchen, ne regarde pas tout de suite, mais ton idole se paie du bon temps ailleurs. Vous voulez que je vous dise? Oui. Elle est très charmante, elle mesure 1,75 m et... Excusez-moi, tu crois que tu peux retenir l'attention de Duquesne pendant 10 minutes? Qu'est-ce que vous mijotez? Rassure-toi, je m'en occupe. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Je veux que vous me promettiez que... Je promets. Vous promettez quoi? Que tout ira bien. Enfin, peut-être qu'un de ces jours, vous me surprendrez en me faisant savoir ce que vous faites. Oh, Henri, je crois que vous ne supporteriez pas le choc. Et j'ai l'impression que Duquesne ne semble pas désœuvré pour le moment. Ici. Ce que j'ai le devoir de faire. Vous m'obligez à intervenir. Messieurs, nous avons un cambrioleur. Je crois que ça va intéresser monsieur Duquesne. Allez. Bon, alors écoutez, nous tenons John Cody, nous avons donc accompli notre mission et il n'y a plus qu'à clore l'affaire. Ce n'est pas fini. La chapelle ardente dans la chambre de Duquesne est un musée des horreurs. Et si nous partons, vous seriez responsable de sa prochaine victime. Et devinez qui pourra obtenir la meilleure place pour ses exploits futurs? Rachel. Une autre bonne raison pour s'en aller si jamais quelque chose venait à tourner mal. Qu'est-ce qui tournera mal? Mac! Mac, réveille-toi! D'accord. Dépêche-toi! Quoi, il y a le feu? Ouais, des ennuis. Quel genre d'ennui? Rachel a disparu. Mais c'est impossible, je l'ai mise au lit hier soir moi-même. Eh bien, elle a dû faire ses bagages en douce ce matin et filer à l'anglaise. Pour où? Elle a laissé un mot. Je pars avec Eric pour trouver la joie et le soleil. À bientôt, je vous embrasse, Rachel. Elle est partie avec le comte Dracula. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je te le dirai dans le hall. Ah. Allez, venez. Alors c'est vous qui voulez me voir? Allez vous faire pendre ailleurs. J'aime la prison, ramenez-moi dans ma cellule, j'ai de la compagnie qui me plaît. Ben, Cody, attendez une seconde, on peut peut-être s'arranger. Ouais, de quelle façon? Nous allons vous sortir de là. Oubliez les charges et vous ramenez sous bonne escorte et en bonne santé aux États-Unis. En attendant, un policier veillera sur vous dans la chambre de votre hôtel. Qui êtes-vous, bon Dieu? Vous savez qui nous sommes. Je sais qui vous êtes, mais j'ignore ce que vous êtes. Que voulez-vous de moi? Écoutez ça, j'ai trouvé une série de photos chez Duquesne hier soir. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elles étaient placées comme dans un certain ordre. Et j'ai reconnu votre fille parmi ces photographies. Et juste à côté, il y avait la photo d'un de nos mannequins. Et ce matin, elle est partie le retrouver. Nous ignorons où il est. Et Mac a dit que vous seul savez où on peut le joindre. Est-ce vrai? Mac a raison. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes avec nous? Écoutez, vous êtes responsable de ma présence ici. J'étais venu dans ce pays pour éviter ce qui s'est passé. Et nous ne sommes pas responsables de votre présence. Il a tué ma petite fille. Vous m'avez empêché de faire justice. Pour quelle raison voulez-vous que je vous aide? J'ai connu votre fille. Nous ne la ressusciterons pas, malheureusement. Mais peut-être pouvons-nous éviter qu'il arrive la même chose à un autre mannequin. Est-ce une raison suffisante? D'accord. Il aime les femmes. Il aime la chasse. Et il aime les bateaux. Vendredi dernier, je l'ai suivi jusqu'au port de Plaisance. Il a un très beau yacht. Et je pense... qu'il est sur ce yacht. Eric, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, merci chérie. Allez vous asseoir, j'en ai pour une seconde. D'accord. Son yacht s'appelle le Sileto. Il vient de partir il y a 20 minutes et les loueurs de bateaux m'ont assuré qu'avec un hors-bord, on pourra les rattraper. Il ne la tuera pas tout de suite. Il n'a pas eu le temps de préparer son alibi. Mais pourquoi l'a-t-il emmené au large? Mais parce qu'il est malin. D'après ce qui s'est passé, peut-être cherche-t-il à savoir si nous sommes ce que nous prétendons être. Il l'a emmené au large afin de lui tirer quelques renseignements? Mais c'est possible. Si elle dit quelque chose qui pourrait l'inquiéter, le bateau risque d'être en Yougoslavie au matin. Si jamais vous vous trompez, nous n'aurons plus aucune chance d'avoir Duquesne. Si vous allez le rejoindre, il saura que vous êtes à ses trousses. Peut-être pas. Peut-être que la réputation de Danny pourra nous servir. Dois-je le prendre comme une insulte ou comme un compliment? Que dirais-tu d'une petite fête à bord? Excellente idée. Je vais chercher les filles. Et nous le bateau. Viens. Que me disiez-vous à propos de Mac? Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous aviez raison pour son entraînement. Il était dans une unité spéciale chez les Marines. Alors il est beaucoup plus qu'un simple mannequin. Plus à présent. Danny l'a découvert sur une affiche de recrutement des Marines. Il a été démobilisé, ensuite il a vécu dans une ferme au Minnesota. Vous connaissez la suite. Ne bougez surtout pas. Je veux que vous m'attendiez. Fermez vos yeux. Bien fermés. Fermez. Êtes-vous prête pour votre surprise? Je suis prête. Ah. Êtes-vous prête pour votre surprise, ma chère? Je crois que je l'entends. Quoi? Oh! Surprise! Désolé d'interrompre ce duo charmant, mais vous savez, la patronne adore les petites fêtes. Permission de monter à bord? Accordé. Ashley? Eric? Attention à mon temps. Hachem? Salut. Billy? Salut. Danny? J'ai apporté le champagne. Regardez ça. Oh. Eric a passé toute la matinée à sculpter toutes ces fleurs. Un maître du couteau comme j'en avais jamais vu. Vous êtes certain que nous ne vous dérangeons pas? Je suis sûr qu'aucune fête ne peut être complètement réussie sans vous, Danny. Bon, tout est en ordre à présent. Deux de mes meilleurs policiers surveillent Cody qui est en état d'arrestation à son hôtel. Nous pourrons donc tous partir d'ici dès demain. Oui, mais nous n'avons pas coincé Duquesne. Je vous l'ai dit et je vous le redis encore, ce n'est pas notre travail. Il faut que quelqu'un le fasse. Salut. Entrez. On peut vous voir une minute? Bien sûr. Vous nous avez dit de vous tenir informé de notre vie privée, c'est bien ça? Non, j'ai dit que vous n'aviez pas de vie privée pour l'instant. Pendant votre absence, Eric a appelé en disant qu'il voulait me voir ce soir, et seul. Il a insisté sur ce point. Vous n'avez pas accepté? Non, Dani, c'est terminé. C'est vous qui avez annulé? Non, c'est lui, il n'y a pas 20 minutes. Il doit s'en aller ce soir, il s'envole pour Paris, et il m'a demandé de l'appeler à 10 heures. Est-ce qu'il t'a aussi demandé où tu serais ce soir? Oui, il l'a fait. Et je lui ai dit que je rentrais tôt parce qu'on prenait l'avion demain matin. Vous avez ce numéro de téléphone sur vous? Oui. Je peux le voir, s'il vous plaît? Comment se fait-il qu'ils lui disent d'appeler un numéro de téléphone à Paris alors qu'il n'a pas quitté l'Italie? Je ne sais pas, nous verrons ça plus tard. Je crois que Gretchen devrait l'appeler. Oui, je suis d'accord. Mais tu dois savoir que ce sera peut-être dangereux. Malheureusement, c'est le seul moyen pour capturer cet homme. C'est un tueur. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Non, écoute, tout ira bien, je resterai près de toi tout le temps, il ne pourra rien t'arriver. D'accord. Bon, avec ce matériel dans ta chambre, quand Duquesne passera à l'action, Gretchen hurlera fort et moi je serai là en une seconde. Très bien, merci mademoiselle. Gretchen, le numéro qu'il vous a donné est celui de son ambassade à Paris. Et c'est un numéro qui est en service. Alors s'il attend mon coup de fil là-bas, c'est la preuve qu'il n'est plus en Italie. Désolé, mais je crois qu'il est encore ici. Moi aussi. J'ignore comment il s'y est pris, mais... Réponds, mais essaie d'être détendu. Pas de problème. Allô? Oui, une minute. C'est pour vous, monsieur Towler. Merci, Gretchen. Oui, j'ai fait suivre mes appels téléphone. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il a fait. Oh, et totalement insoupçonnable. Vous faites votre appel, il est immédiatement retransmis au nouveau numéro programmé. Duquesne n'a pas quitté cet immeuble. Tout est réglé dans l'entrée. Parfait. Il n'y a pas d'issue de secours. S'il veut aller dans sa chambre, il devra forcément entrer par la porte. Et même s'il a un pass, ça nous laisse encore du temps. J'ai 3 9. 3 dames. Bon, je reviens dans une minute. Tu connais le règlement. Écoute, j'ai ingurgité trop de bière. Tu saisis? Très bien. Mais dépêche-toi. Je crois que je peux y arriver tout seul. Merci. Oh, ça n'a encore pas longtemps? J'arrive dans une minute. Salut les copains, et maintenant je relance. Il est 10 heures, il faut appeler, c'est le moment. Je sais, en ayant l'air détendu. C'est Gretchen. Je suis si heureux que vous appeliez. J'avais dit que je le ferais, non? Eh bien, parfois, les jolies femmes ont l'habitude de décevoir les hommes. Mais ce n'est pas du tout mon intention. Je trouve que votre voix est très sensuelle. Quand nous reverrons-nous? Bientôt. Très bientôt. Je veux que vous veniez toutes quand vous serez à Paris à une soirée à l'ambassade. Ce sera la plus belle réception de toute l'histoire de France. Ce soir, je voudrais que l'on parle tous les deux. Je vous appellerai dès demain matin. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Henri, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez compromettre tout notre plan. Il est déjà compromis. Cody vient de s'échapper. Il ne manquait plus que ça. Une fusillade avec Gretchen au milieu. Bon, allez, on arrête tout. Pourquoi? La seule chose à faire, c'est d'empêcher Cody d'approcher. Il n'a aucune idée de ce que nous allons faire. Elle a raison, Henri. Moi, je couvre le couloir depuis la fenêtre où j'ai caché la caméra. Vous, vous couvrez les ascenseurs depuis l'autre. Parce que j'ai toujours l'impression avec vous de ne pas avoir le choix. Mais si vous avez le choix, nous en reparlerons en chemin. Venez. Bien. Tenez, avec cet appareil, nous resterons en contact. Vous avez toujours ce genre de gadget sur vous? Et soyez prudent. Oui, vous aussi. Vous ne m'attendiez pas, Danny. Vous pensiez que je voulais avoir Gretchen, mais pourquoi perdre du temps avec les dames de la cour quand je peux avoir Lorraine? Mac, le rôle est pour ainsi dire vide. N'importe quelle personne serait repérable. J'espère que c'est vrai. Parce que vous êtes la plus belle et aussi la plus corrompue de toutes. Vous êtes pire que toutes les autres. Parce que vous êtes la déesse qui crée ces créatures. Qui toutes séduisent. Se dérobent et tournantes. Elles font des promesses un soir qu'elles ne tiennent jamais. Pour tout ceci, vous méritez d'être puni, Danny. Eric, écoutez-moi. Je vous jure que vous n'aurez plus rien à craindre. Vous ne serez pas tourmenté, je vous le promets. Marc, je viens d'y penser. Dans le sous-sol, il y a un escalier qu'il peut utiliser. Et aussi l'ascenseur de service. Mac, vous êtes là, vous m'entendez? Il y a quelque chose qui cloche. Si vous voulez avoir un alibi, vous n'appelez pas la personne que vous allez tuer. Parce que dans ce cas, vous n'auriez plus d'alibi. Les chambres des filles sont au milieu. Celle de Danny et la mienne de chaque côté. Il ne passera pas par le couloir, Henri. Marc, mais qu'est-ce que vous racontez? Il entrera par la chambre 208. Mais c'est une vieille dame qui est au 208. Je l'ai vue. C'est pas si sûr. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Ce n'est pas de votre aide dont j'ai besoin. J'ai besoin d'entendre vos hurlements. Je veux que vous sachiez que ce sera le moment le plus excitant de toute ma vie. Un seul geste, monsieur Harper, et elle est morte. C'est terminé. Lâchez ce couteau et vous aurez la vie sauve. Je vivrai de toute façon. Vous n'aurez aucune preuve à fournir. Une fois sorti d'ici, je serai libre. Toutes vos caméras étaient tournées du mauvais côté. Je l'emmène avec moi. Écartez-vous. Si vous me suivez, je la tue. Je vous préviens, Duquesne. Cody s'est enfui, il vous attend dehors, quelque part. Vous ne quitterez pas cette ville vivant. Vous croyez que j'ai peur d'un policier aussi minable que ce type? Vous avez tort, Duquesne. Je vais vous tuer. Allez, baissez donc votre arme. Sinon, vous serez responsable de la mort de Madame Reynolds. Faites ce qu'il vous dit, Cody. Vous n'avez pas l'avantage sur lui. Et puis vos mains sont tremblantes, baissez votre revolver. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le voir filer sous mon nez. Il ne filera nulle part. Vous n'allez pas risquer de la tuer. Je suis un spécialiste du Ken, un tireur d'élite même. Avez-vous idée de ce que ce terme signifie pour les militaires? La nuit, ils envoient des gars comme moi contre des pirates de l'air alors qu'ils sont dans un cockpit à 500 mètres. Cette distance avec vous, c'est un jeu d'enfant. Mac, t'en prie. Je ne risque rien, Danny, je te le promets. Ce serait préférable que vous me touchiez au premier coup, bien je lui trancherai la gorge. Vous êtes si sûr de vous? Vous voyez ce zéro au-dessus de votre oreille? Je peux le faire sur votre tempe. Vous mourrez dans la seconde. Mac, t'en prie. Prêt? Alors. Ça va? Non, mais ça va aller. C'est fini, Danny. Avant que je devienne tout à fait hystérique, peux-tu me rendre un petit service? Bien sûr. Serre-moi fort dans tes bras juste une seconde. Toute la vie, si tu le désires. Oh. Mademoiselle, allez, mesdemoiselles. Nous allons rater l'avion, allons-y. Attendez un peu. Cody, je suis passé à votre hôtel, mais vous étiez sorti. Je suis un lève-tôt. J'ai fait une longue balade sur la plage ce matin. Bien. J'ai regardé l'aube se lever. Je crois que c'est le commencement d'une belle journée. Oh, le commencement de beaucoup de belles journées. Vous retournez aux États-Unis? Non, je crois que j'ai besoin de vacances. Il faut que je guérisse mes blessures. On n'en guérit jamais totalement, mais ça s'améliore. Au revoir, Cody. Allez, les filles, allons-y. Je crois que je vous ai créé beaucoup d'embêtements. Ah. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Non, c'est rien. J'ai seulement fait mon travail. Savez-vous ce qui m'épate le plus? C'est qu'après tout ça, je ne sais toujours pas exactement quel genre de travail vous faites. Eh bien, disons que nous voyageons beaucoup, Cody. Et qu'il arrive que nous rencontrons un ami des États-Unis un peu en difficulté, nous lui donnons un coup de main. Comme pour vous, par exemple. Tout cela à titre officieux. Oh oui, tout ce qu'il y a d'officieux. J'ignore comment marche votre entreprise. Mais je vous assure que j'admire le choix de vos assistants. Ah. Oui, mais ce sont des sœurs pour moi, Cody.